Bonjour, la petite baleine d'amour. Bonjour. Aujourd'hui, nous partons sur la Namibie. Adieu, South Africa. Quoi, adieu? Maybe we come back. Regardez ce soleil qui se lève à travers les hublots de Blackie. La montagne de la table, elle est trop belle. Voilà ce qui reste du pavillon d'Afrique du Sud. Hey, tu pourrais faire un masque? Je pourrais me faire un masque. Un masque anti-Covid. Ouais, ça te va super. Il faut que j'aille voir en haut avant de partir. Là. On va se prendre une petite heure. On avait changé la pluie, je crois que j'ai dit la dernière fois, là, faut que je voie, parce qu'elle se vrille. Je sais pas pourquoi elle se vrille sur le nouveau boot et tout, là, et quand je monte la GV, donc c'est la galère. 495 000 exactement à faire jusqu'à Lüderitz. Et le vent, il a été très fort cette nuit, très très fort au mouillage, hein, jusqu'à 40 nœuds. Mais ça devrait réduire, devrait avoir du entre 10 et 20 nœuds pendant la traversée. 16 degrés le matin, je crois qu'il fait encore plus froid en montant sur la Namibie, parce que c'est le désert, faut pas croire, mais il fait froid. Donc évidemment on va faire notre quart de nuit dedans, hein. Dedans, dans nos nouvelles mousses, on va tester nos nouvelles mousses. Quelle douceur. On avait un petit pari avec Jacouille, est-ce qu'elle rentre toujours dans sa salopette? Il est sûr que je rentre pas, mais il croit que j'ai grossi comme une grosse patate. Attends, faut flotter dedans. Hein. Non, je ne flottais pas dedans, j'allais dedans. Alors, et. Non, refaire, ferme tout, là. Ferme tout. Et j'ai le pull en plus, tu te rends compte? Eh, Miss Monde. Ça rentre et j'ai le pull. Allez. Ah! Alors. Ok, j'ai perdu mon pari, mais t'es toute jolie en plus. Mario Kart, qu'est-ce qui m'arrive? Mario Kart. Il y a un truc de gentil sur toi là, qu'est-ce qui m'arrive? Canal 16. Extracteur des moteurs. Que ce soit partant calme ou partant venté comme aujourd'hui, il faut toujours aider un peu le gain d'eau là, dans sa remontée de la chaîne. Alors des fois quand c'est vraiment calme, je le fais pas parce que le bateau vraiment il vole sur l'eau, mais là aujourd'hui on va pas forcer sur le gain d'eau, ok? Non, donc j'appuie avec les moteurs et toi tu me dis, moi j'appuie. Allez, j'avance, la barre est au milieu, je suis juste embrayé et je vais retirer la patte droite. Attends, hein, qu'on avance un peu, je te dis. Allez, vas-y, commence. Nous laissons à Table Mountain, Cape Town, l'Afrique du Sud, nous reprenons vers le nord. Ah, il y a un petit bloc. Ah, on dirait que c'est le bout. Salut Cape Town, salut l'Afrique du Sud. Ah, il y a une antenne dessus. Ah bon? Je sais pas ce que c'est, une balise GPS ou AIS. On chiale comme des madeleines. On est en train de quitter la Namibie et en fait on allait regarder le petit film qu'on avait fait à notre fiston Jonathan sur sa Garani. L'année dernière. Et en fait, voilà, rallume le truc. Et en fait ça nous a fait chialer les deux. Ça fait 5 minutes qu'on est parti et demain c'est son anniversaire. Et puis, on sera pas là pour lui souhaiter. Ouais, mais je suis pas tout dit. Remplir le congélateur de poissons. Allez, on y va. Vas-y, Poulpito. J'ai trouvé pourquoi ça bloquait l'enrouleur. Quelle connerie j'ai faite alors.
On a acheté, vous vous souvenez, des bouts comme ça, tout neuf, des écoutes, des drisses. Et le nœud d'arrêt en fait de l'enrouleur était en haut d'habitude. Et en fait, je me suis aperçu que sous l'enrouleur, il y avait un trou. Je me suis dit, ça sera plus joli de mettre dessus, ça se verra pas. Sauf que le nœud ne passe pas là, quoi. Imbécile le choupi. Donc là, j'ai retiré le nœud, là, et quand je vais l'enrouler, ben, je referai le nœud en haut, là, à cet endroit-là. Ah là, c'est pas vrai. J'en fais des conneries. Ne le répétez pas à Jacouille. 1h30 qu'on est parti et le vent est en train de se calmer. Ah, une otarie à ma droite. Bon, c'était prévu comme ça, hein. Il devrait, le vent va bien se calmer. Il y a de fortes chances qu'on mette le speed tout à l'heure. Là, on est à 4 nœuds, on a mis le Jenaker, on était que sous foc, et on a mis le Jenaker. Et il y a 6 nœuds devant. Jacouille, responsable du speed. Ouais, là-bas, ça fait miroir. Hein. Ouais, là-bas, dans le fond, ils avaient miroir de chez miroir. Je crois que le vent va s'arrêter net. Putain, c'est la merde. Hein. Alors, on va monter un peu la GV là pour presser un peu le vent car le speed a vraiment du mal à tenir. Waouh, il y a des morceaux de quel. Énorme. Putain, on va se prendre ça dans les hélices. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ouh, voyons. Une demi-heure pour faire un réglage. Donc il se déventait dans les vagues et du coup j'ai pressé le vent. J'ai mis la GV un petit bout. Et le vent est pressé entre les deux, donc le spi reste gonflé. Allez, on décolle. Oh là là, et décidément, les otaries, elles adorent notre esprit. Hein. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Elles viennent voir, elles sont curieuses. T'as vu comment elle lève la tête sur le ski? Oh, il y en a plein devant, toi. Elles sont vachement curieuses, hein. Regardez-moi ce bateau, 50 ans d'histoire. 50 ans. I'm a free man in a free land. Nouveau mirage. Il y a des baleines partout, partout, partout. C'est quoi comme baleine déjà? Right whale, c'est baleine franche. Par contre, ils disaient qu'il n'y en avait pas trop en ce moment. Mais là, je pense que c'est les baleines à bosse. Humpback en anglais. On va essayer de voir le souffle de la baleine. Vous êtes prêts les bananes? Là, waouh, j'espère que vous l'avez vu là. Alors, on peut croire qu'il y a la terre, mais il n'y a rien du tout là-bas. Hein. Ça c'est un mirage. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'éloigner des côtes. On se naviguera à peu près 50-60 milles des côtes jusqu'à l'Udéritz. Regardez ce qu'il y avait sur l'hameçon. Je pense que c'est le fruit du kelp. Regarde comment c'est. Ah ouais. On va le remettre à l'eau. Hein. Ben oui, parce c'est accroché à l'hameçon. Première pêche. Hop. Oh, magnifique.
avec Jacouille la fripouille. On ne mange pas que des nouilles, que des nouilles. Hey, ça faisait longtemps. Ça fait super longtemps. Ça fait super longtemps. Ouais, mais quand on est à terre, je fais des boîtes de conserve aussi. Bah ouais, ouais. On n'a pas le temps. Mais alors oui. Voilà, alors, je cuisine en mer. Alors vas-y, qu'est-ce que tu... Je vais vous faire un filet mignon à la moutarde avec de l'ail, des patates, des champignons, des oignons, des carottes. Et de la moutarde, puisque c'est la moutarde. Et de la moutarde, bah oui. Sinon, ce serait un filet mignon au ketchup. Ça va être, bah oui, voilà. Ça va être vite fait. Hein. Alors, du coup, il nous faut un joli filet mignon. Et puis, c'est bien de dénerver. On dénerve, comme ça. Moi, j'ai déjà fait une grande partie. Ah, t'as triché, là. J'ai triché, ouais, pour que ça aille plus vite. OK. Quand le filet mignon, il est prêt, on va prendre de la moutarde. Comme ça. Ça, c'est de la recette. Et voilà, c'est bon, c'est fait. Filet mignon à la moutarde. Bah oui, hein, écoute. Hop, on met la moutarde dessus. Hop, non, mais comme c'est ceci. C'est super facile en mer, là. Après, on met au four et puis c'est fait, quoi. Et puis mon petit... Eh, c'est facile pour toi, mais pas pour tout le monde, hein. Eh, mais si, ça va, ça le fait. Et puis pour mon petit bébé capitaine, là, il va être trop content. Hein? Ouais. Alors, on s'est repris en main. Hein. Parce que vous avez vu, on a grossi, là. On donc, on va manger léger. Hein. Juste ce filet mignon avec, avec des carottes. Hein. C'est ça. Non, mais on a grossi, il y a comme des vaches. Non, mais il faut qu'on quand je dis on, je parle pas de toi. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, ouais, c'est comme, comme un dinosaure. Il faut qu'on remange équilibré. Ouais, ouais. Voilà. Donc, on va remanger équilibré. Ok, ça, c'est fait. Bon, c'était pas bien compliqué. Hein. Attends, je me rince un peu les doigts. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et ensuite, on va mettre des petits de l'ail entier comme ça, parce que t'aimes bien quand ça confit, j'adore, toi. Hein. Des petites carottes. Ça met de la couleur, c'est joli. Des oignons. C'est rapide. Hein. Franchement, il n'y a pas plus simple. Hein. Des petits champignons. Des pommes de terre. Voilà. Et c'est beau. En plus, c'est un repas à faire voilà. Ben oui, entre c'est amis, rapide. Entre convives, oui. Entre marins. Alors, on va mettre du sel, du poivre. Votre... Un peu de sucre en poudre. À votre convenance, n'est-ce pas? Sel. Je t'ai bien réparé ton four, hein, t'es contente. Ah, hein. Je suis super contente. Et alors, il cuit mieux qu'au tout début. C'est trop, t'es trop fort. Franchement, t'es évidemment trop fort. Là, un peu d'herbe. Oh, tu vois, heureusement qu'on l'a pas fait. Ça fume ça ou pas? Non, ça fume pas. Et si on fume ça, ça fait quoi? Je sais pas. Un petit peu d'huile d'olive. On filmera quand ça sort du four, parce que je sais que vous voulez voir toujours les recettes terminées et puis on les montre jamais, ou très rarement. Et au four. Alors, ouais, combien c'est de temps pas rapide. Je pense 20 minutes, ça devrait suffire. Quand ça gratine. On va voir. 20 mais minutes. Non, ça gratine pas, il n'y a pas de brouillard. Oh là là, c'était un piège, j'allais tomber dedans. Et ben, on trace les bananes. Hein. Putain, on est à 8 nœuds. Ouais, entre 7 et 8 nœuds. Le vent est de travers. Il y a 12 nœuds de vent. Souspie et la mer est correcte. C'est super agréable. L'eau est marron dégueulasse. Ouais, vraiment, j'en reviens pas, c'est bizarre. Hop, bah là, c'est un peu plus de 20 minutes quand même. Hein. Presque une heure. Hein. Ouais, presque une heure quand même. Mais voilà, c'est cuit. Ça va être bon. C'est bien chaud, ça va nous réchauffer, moi, choupi. Oui, ça va réchauffer le corps. Mais parce qu'il fait froid, regarde-moi. Ouais, il fait froid. Hein. Regardez, pourtant, je suis bien habillé. Il y a juste le bas que j'ai pas mis. Ça réchauffe le corps, ce petit filet mignon. On va remettre le Jennaker. Ça commence à monter à 8 nœuds, 9 nœuds en vitesse avant que ça soit trop tard. Ah, c'est cool, on avait bien rangé le spi et on a mis l'écoute de Jennaker au mauvais endroit. Derrière la filière. Voilà. Ah, j'ai cru ça. C'est toi qui l'as mis au mauvais endroit. Non, avant, c'était toi. Et tu m'as dit qu'il le passe de ce côté. Hein. On l'a qu'à dire, c'est 50-50 et qu'on en parle plus. Hein. Ouais.
pariez, on va aller voir la jacouille. Hein, combien vous pariez qu'elle est en train de, d'être sur l'ordinateur? L'ordinateur est branché. Je vais arriver, je vais dire, mais t'as branché l'ordinateur alors que le soleil se couche. Mais c'est pas moi, c'est toi qui m'as dit d'allumer. Vous allez voir, je suis sûr. Allez, on y va. Je rêve ou l'ordinateur est encore branché là? Et tu te fous de nous là avec les bananes, hein? Tu te fous de notre gueule, hein? Elle se fout de notre gueule les bananes, hein? Il fait tellement beau, le temps est tellement clair qu'on voit encore la silhouette de la Table Mountain. On a fait au moins 50 000. Je prendrais bien un petit vent chaud, moi. Bah tiens. Bah tiens. Elle fait super bon là, les petits rayons de soleil qui nous réchauffent. Hein? Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait là, Jacouille? Une drôle de position sur moi là. Alors est-ce que ça t'en casse? Pourquoi elles font ça comme ça? Nageoire avant, nageoire arrière. On dirait que ça leur sert de voile. Et j'ai une petite théorie pourquoi les otaries elles font comme ça là. Là. Pourquoi tu fais bien là. Elles font comme ça. Parce que en faisant comme ça, elles font pas montrer leurs quatre nageoires à la surface de l'eau aux requins. Et du coup ça fait peut-être fait, ça fait comme du kelp et les requins ne savent pas que ça se mange. Vous savez, souvent on dit les surfeurs, les requins, ils attaquent les surfeurs parce qu'ils pensent voir une otarie ou alors une tortue. Et ben voilà, comme ça. Allez toi, Jacouille. Ouais, c'est peut-être une bonne théorie. Ben oui, c'est une bonne théorie. Ah, quelle souplesse, comme ça. Ah, tu fais bien le phoque. Tu fais bien le phoque, toi. Ben, on reprend nos petites habitudes, hein. 4-0 dans ta gueule, la Jacouille. 12-0 dans sa gueule, la Jacouille. Alors, elle a rien vu venir. Elle a rien. Non. Essaye d'attraper le leurre, l'imbécile. Ah, mais non, le couillon. Couillon. C'est quoi ça? Il y a un bec crochu. Il y a une frégate, mais les frégates vont pas dans l'eau. Ils font tout pour attraper le leurre, donc on va le ranger, parce que sinon on va attraper un oiseau. Ça nous est déjà arrivé une fois d'attraper un oiseau, et puis il est mort, le pauvre. Je prépare la soufflette. La petite soufflette. Ah bah c'est pour froid, on va faire de la soupe. On va faire de la soupe chouette, on va se régaler. Dans ma soufflette, je vais mettre du girome. Des poireaux, des carottes, des pommes de terre, une petite patate douce, et puis un oignon. Ouais, le tour des magies, elle a échangé sa cocotte contre un petit rhum. C'est pas beau ça. Un petit bilan de la journée. Bilan de la journée. Ben, c'était très agréable. Très très agréable. Des oiseaux en pagaille, des puffins, des fous, des sternes, Des otaries. Non mais je parlais des oiseaux. Hein. Oui, des oiseaux. Des dauphins, des baleines. Et la mer n'est pas trop dégueulasse. Donc on est dans le courant du Bengala. Nouveau courant, un peu le courant des aiguilles. Et il fait un temps magnifique. Un peu frisqué. Ouais, un peu froid, mais il fait bon ce soir. Il fait bon ce soir. Et là on a quasiment toute la GV, il y a un rideau à GV. Le Jenneker, on est aux trois quarts arrière, mais je pense que je vais retirer la GB pour la nuit parce qu'ils annoncent plein portant. Et comme ça, on ne sera pas embêté. On va avancer tout doucement cette nuit, je pense. Et le vent reprendra demain. Et on a fait un peu de spi. Un peu de spi, un peu de phoque. Un peu de tout, quoi. Ouais, hein? On a fait plein de manœuvres. Plein de manœuvres, ouais. On avait oublié un peu ce que c'était depuis 5 semaines. Et ben, on est très content de reprendre la mer. La journée est passée super vite. Et on devrait arriver en 4 jours, si tout se passe bien, 4 jours. 4 jours à peu près. Tranquillement. Ouais. Ils annoncent de 10-15 nœuds dans la météo. On verra la météo ensemble demain. Ok? Allez, bisous les bananes et bon petit rhum. Hein? Comme d'habitude, vous saviez qu'il était 5 heures. Donc, à la vôtre. Moi, j'en prends pas ce soir. Mais c'est bien, comme ça, j'en aurai plus pour moi. Bisous. Ciao. Bisous. Petit A, on est au ski et on se réchauffe autour d'une fondue savoyarde. Ou petit B. On est en train de partir en Namibie, on vient de quitter l'Afrique du Sud. Et on se réchauffe avec une petite soupe. Avec une soupe. Ben c'est petit B, on se réchauffe avec une petite soupe, ma souplette. Oui. Ah, j'ai dit ma souplette. Ma souplette. Voilà. Tu es belle au coucher de soleil. Hop. Jacou, il y a la bourrée de fromage dedans. Donc là, j'ai tarqué à fond au milieu et j'ai bordé. Et là, on va essayer de la descendre au portant. Mmh.
Putain, ça fait flipper, là je passe sur une zone bleue. J'étais dans 500 mètres, la zone elle met moins de 200 mètres, mais j'ai 20 mètres sous le bateau là. J'ai 15 mètres sous le bateau. Ça c'est flippant, on est à 60 000 de la côte. Il n'y a rien quoi, j'ai rien du tout là. J'ai juste cette zone bleue comme ça qui marque fond moins de 200 mètres. Et c'est même marqué 300 mètres quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? 14 mètres. Oh là là. Tu vois rien de spécial bébé hein? Tu vois rien de spécial? Putain, j'ai 12 mètres, c'est carrément flippant l'histoire là. Pourquoi je suis passé dessus aussi moi? Qu'est-ce que c'est que cette cartographie? Qu'est-ce que c'est que ça? 15 mètres, ça remontait un peu. Ça remontait un petit peu. Ah, ça redescend là. J'ai 7 mètres là. Des montagnes, c'est des montagnes sous l'eau, c'est pas possible, il y a 500 mètres. On est au-dessus d'un volcan, c'est pas vrai là. Oh le stress, putain, c'est pas vrai, pourquoi je suis passé là-dessus moi? Allez, remonte. Putain, 6 m80. Pourquoi je suis passé dessus? Merde, putain, j'ai vu son moins de 200 mètres. Oh, le coup de frayeur, quoi. Oh, les bananes. Non, mais c'est quoi ce truc, là? C'est quoi ce truc? Oh là là, mais je regardais 10 mètres, 4 m80, et ça fait comme un récif, mais... Non, mais c'est bizarre. C'est pas indiqué comme un récif, quoi. Quand on clique dessus, voilà. Quand on zoome, il y a 190 mètres de fond, 316 mètres. Donc je me suis dit, ben. Bizarre. Ouais, mais j'avais pas à passer dessus non plus, quoi. Mais c'est bizarre que ce soit pas plus. Ouais, ben, les évite. Les, les autres, on les évite, hein. Les bananes, ouais. C'est bon, ça va comme ça. Ouais, merci. Ça va comme ça, merci. Hein. Ah, le coup de flip, putain, 4 m80, je me suis dit, on va s'échouer. Mais non, mais en plus, ça aurait pu être une pointe qui remonte une. Mais c'était ça, à un moment, c'était 10 mètres, à un moment, ça redescendait, quoi. C'est bizarre, hein. Putain, regardez ça, quoi. C'est ce truc, là. Là. Quand tu zoomes, ça met. Quand on clique dessus, là, il met 200 mètres. Il met fond de 200 mètres. Mais j'ai eu 4 m80 sous la quille, quoi. Mais là, quand tu zoomes en grand, c'est pareil, c'est marqué 200 mètres. Ouais, et quand on zoome. C'est pour ça, j'ai regardé toute la journée, je me dis, tiens, il y a 190 mètres, ils préviennent que c'est en dessous des 200 mètres. Mais pas du tout, quoi. C'est bizarre. Là, ici, là, voilà, regardez ce que je vais faire, là. Putain, c'est chaud. Deuxième jour, le soleil est en train de se lever. Une nuit tranquille, on n'a pas beaucoup avancé, c'était prévu, on va vous montrer la météo, les bananes. Là maintenant, on devrait toucher le vent dans la journée. J'ai mis juste le generator, j'ai remis la GV avec un riz. Et j'ai offert un tout petit peu pour cirer le vent, on est trois quarts arrière. On compresse le vent et là on est entre 5 et 6 nœuds avec 8 nœuds devant. La mer est très correcte. Nous sommes dans le courant du Bengala, on vous montre ça aussi. Et tout d'abord, un petit lever de soleil pour commencer. Ah oui, également, on a l'impression qu'il a plu cette nuit tellement que c'est humide sur le pont, quoi. Regardez l'humidité qu'il y a sur le pont. C'est mouillé de chez mouillé, quoi. Une humidité de folie. Mais ça va, il ne fait pas trop froid ce matin. Bien dormi, c'est assez calme. La mer est très correcte, hein. Bienvenue dans l'Atlantique, hein, vraiment. Et pourtant, nous sommes au courant du Bengala, c'est pas une des parties les plus faciles jusqu'au Namibie. Une fois qu'on quittera Namibie, 200 000 après jusqu'au Brésil, ça sera encore mieux que ça. Mais là, c'est très très bien, on a pu
n'a plus trop à se plaindre. Regardez l'humidité un petit peu partout sur le bateau. Il fait humide, il fait froid, mais sans plus. Regardez ma petite tenue ce matin de fashion mode. Caleçon bleu, t-shirt à manchon, ça va, ça caille un petit peu les castagnettes, mais c'est pas mal. Et les oiseaux sont là, ils nous accompagnent. Toutes ces espèces d'oiseaux, puffin, sterne, fou, hirondelle. C'est impressionnant tous ces oiseaux. En fait, c'est comme on est dans le courant du Bengala, je pense qu'il doit y avoir énormément à manger pour eux, des petits poissons. Et des gros poissons, pour l'instant, on les voit pas. Ça goûte sur le bout dehors, tellement que c'est humide. Allez, un petit point météo en cette deuxième journée. Je suis assez satisfait. Nous sommes donc partis hier, nous étions vers cette zone ici, dans cette zone. Nous sommes partis de Capton et le vent devait se calmer. Voilà, ne regardez pas le bateau, hein, c'est ici, un peu plus bas. Devait se calmer cette nuit. Et nous, on est ici, c'est le point bleu, la cible. Et je me suis écarté hier de 50 milles pour toucher un peu de vent. Et en fait, on a eu les 5 nœuds. On a été juste, ce qui nous a permis d'avancer à la voile. À partir d'aujourd'hui, on devrait toucher du vent jusqu'à Udiritz. Pas énormément non plus, hein, ça sera du 10-15 nœuds, quoi. 10-15 nœuds, et on va toucher du 20 nœuds à l'arrivée, à 15-20 nœuds arrivés à Udiritz. Voilà. Voilà où c'en est pour la météo. Et je vous parle du courant du Bengala. Voilà. Le courant du Bengala. Nous sommes dans cette zone. Ici, il y a du courant qui peut aller jusqu'à 1 nœud, 2 nœuds, beaucoup moins fort que celui du courant des aiguilles. Mais vous voyez, par moments ça tourne, ce qui peut provoquer une mer un peu dégueulasse. On dirait un peu des dragons sortis de nulle part. On voit bien dessus, hein, courant des aiguilles, courant du Bengala. C'est assez impressionnant. Voilà les bananes. Bah, on dit bonjour à Jacouille. Bonjour les bananes, ça va? Voilà. Bien dormi? Bien dormi. Oh, la Jacouille, elle a bien dormi. Une bonne petite nuit de quart, hein? Ouais, tranquille. Ah ouais, à dormir. Non, je me suis levée deux fois. Pour aller faire pipi, c'est ça. Gentil. 107 000 en 24 heures. C'est nul. C'est pas terrible, hein? Mon Blacky, tu peux mieux faire, hein? Tu peux mieux faire. Mais c'était 7 000, on n'a pas avancé. Hein. Bon, il y avait 5-6 nœuds de vent. Là, ça devrait reprendre. Le vent devrait reprendre. 107 000, allez, pour demain, allez. Je te promets 125 000. Allez, je dis 125-130. Ok. Et sur la fin, on fera du 140. Voire du 200. Ok, Mimi. Ah, je me suis trompé. C'est 117 000. Alors, c'est pas mal du tout parce que du coup, il n'y a pas de vent cette nuit. C'est pas mal. Je suis content. C'est bien, mon Blacky. On compte sur vous pour un petit poisson ce matin. Au lever du soleil. En espérant que les oiseaux ne me bouffent pas le leurre là. Un petit thon. Oui, un petit thon, chouette. Alors on peut pas pêcher, hein. On a failli attraper un oiseau là. Pourquoi il va l'attraper? Ah je sais pas, il a failli s'accrocher dessus. Là. Alors ça les bananas c'est vachement bien. Si vous avez le tuyau d'eau de mer à l'arrière du bateau, c'est vraiment tip top. Comme nous sommes au large, on va voir s'il y a du chat. Je vais mettre le poisson. Je vais mettre le poisson accroché à un bout sans hameçon évidemment. C'est juste accroché à un bout. Et on va voir si quelque chose à venir. Bon. Ils sont tous après le petit morceau de poisson que Cyril il a jeté là. Oh, il est beau notre poisson. Bon, il faut qu'on économise pour 10 000 euros de. Faut qu'on rentabilise nos sales drives. Hein. 10 000 euros de poisson. C'est ça. On enlève les parties noires. Voilà, les parties noires, c'est les parties qui sont fortes. En fait, c'est le sang qui est rentré dans la chair. Il était long de houle. C'est tranquille. Il y a 7 nœuds de vent. On est entre 5-6 nœuds. Qu'est-ce que je l'aime, l'Atlantique. Ah ouais, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. Franchement. Ça fait du bien. Oh là là, ça fait du même bizarre du coup. Hein. Bah ouais, c'est super. Vraiment, ça fait bizarre quoi. On se retrouve dans un autre monde quoi. Voilà. On est tranquillement dans le bateau là. Et voilà, 5-6 nœuds, tranquille. Bah ouais. Les voiles sont réglées.
Et en voiture, Simone, viens ici que je te ramone. Ah, il y a un oiseau qui s'est mis dans la ligne. Ah. Ah ouais, il s'est mis comment? Ah ben là, il est mal mis. Hein? Attends. Calme-toi. Il faut que tu m'aides, mon cœur. Attends. S'il te plaît. Ok, attention à toi. Ok, attends. Est-ce qu'on lui met de la bétaline? Ouais, on va peut-être mettre de la bétaline. Chier, merde. Ah. On range les cannes, hein. Allez, on enlève les cannes, hein. On enlève les cannes, hein, putain. C'est chier. Hein. Bon, bah voilà, on arrête de pêcher pour l'instant parce que je sais pas ce qu'ils ont à vouloir aller absolument. Ouais, ils veulent absolument les hameçons là, ils sont couillons aussi. Ouais, ils n'arrêtent pas de plonger dessus. Hein. Ce matin, je surveillais. Et puis en fait, celui-ci, ben, il s'est pris quoi. Mais on a bon espoir qu'il repart quand même, il levait les ailes. Hein. Ouais, ouais. Allez. Sashimi, on s'en veut un petit peu pour l'oiseau là. Ouais. Mais ça va, il avait l'air d'être reparti. Ouais, ouais. Punaise, j'avais pas ma caméra là. Punaise. On vient de croiser. Putain, sur le moment, c'était un grand blanc, tellement que c'était gros à la surface. On voyait comme un trait blanc. Et en fait, c'était le poisson, le mola. Un poisson lune là. C'est pas un poisson lune. Avant de mettre la photo là. Il était à la surface, il a avancé. Mais c'était aussi gros qu'un requin quoi. Et j'avais pas ma caméra pour le filmer. Un truc de fou. Ah, par contre, il y a du kelp. Hein. On a une super bonne allure. On est à 130 du vent arrière, 130 degrés. Et bah, c'est bien. On fait des petits surfs à plus de 8 nœuds de temps en temps là. Et il n'y a pas beaucoup de vent. Il n'y a que 11 nœuds devant. Hello, this is Anna Caroline. How are you? Fine, and you? Everything well? We stay close to you. Le plaisir de la yes. Oui. Si vous voulez être tranquille, bah c'est raté quoi. On a été repéré. On a été repéré. C'est un bateau qu'on a rencontré juste en faisant les papiers, de sortie. On les a rencontrés brièvement. Ils nous connaissaient par la chaîne YouTube. Et a priori, ils sont pas très loin. Pas très loin de là, je les ai plus sur la IS. Ils sont à 4,4 nœuds. 4,4 nœuds. Et nous, on est à combien? 8 nœuds. On va deux fois plus vite. On va deux fois plus vite. On peut pas se manquer, Jacques. Mais c'est bizarre, ils ont dit qu'ils étaient partis deux heures après nous. Oui, mais je pense qu'ils ont laissé tout le voile cette nuit. C'est très décent. Non, mais ils ont mis le moteur, c'est pas possible. Parce que là, il y a du vent. Non, il n'y avait pas de vent cette nuit. Là, ils sont à 4 nœuds avec 12 nœuds devant. Attention, hein, faut pas me prendre pour un kill. C'est tout calme. Voilà le bateau qu'on est en train de rattraper. Et puis, quand on est arrivé en Afrique du Sud, c'est le premier voilier qu'on croise en haute mer, en haute fourrier. On croise jamais de voiliers, des cargos oui, des bateaux de pêche oui, mais voiliers c'est très rare. J'ai cru, il m'a fait la remarque. Il n'y a pas de poisson volant ici. Il y a l'air, les ondes, on n'a pas vu de poisson volant. On n'a pas vu. On a vu plein d'oiseaux. Alors peut-être que c'est les oiseaux qui comptent les poissons volants. Bah non, ils peuvent pas tout manger. Mais les oiseaux nous ont un peu quittés quand même, il y en a moins de moins en moins. Joyeux anniversaire fiston, joyeux anniversaire fiston entre l'Afrique du Sud et la Namibie. Joyeux anniversaire, youhou. 23 ans notre bébé. 23 ans, il a encore toutes ses dents. Ouais, pas comme son papa, hein. Il a tous ses cheveux aussi, pas comme son papa. Je te fais un bisou, je t'emmerde. Alors capitaine, bilan de la journée. Bilan de la journée, ben ciel bleu, mais assez calme, ça s'est levé depuis peu, là, depuis à peine 30 minutes. Il y a 14-15 nœuds de vent. On est bien, on est sous le générateur, grand voile, on va réduire avant la nuit comme d'habitude.
petit malheur pour l'oiseau, mais on pense qu'ils sont sortis. C'est très rare, ça nous est arrivé qu'une fois et c'était en Afrique du Sud. On n'aurait pas dû remettre les cannes, on a surveillé mais on s'est fait surprendre. Et ben on avance et c'est assez confortable. Avec le vent se soit levé, on a un peu plus de courant, on va, c'est un peu plus saché. Hein. Ouais. Mais ça va quoi. Hein. Ça va. Voilà, bon ben je bois un petit thé pour me réhydrater. Chine, hein. Santé les bananes, à demain. À demain les bananes. Ce soir je vais vous conter l'histoire du yaourt. L'arnaque faite par la jacouille. Un jour avant de partir, on se promenait dans le rayon frais, chez Checkers, à Capton. Et là, je remarque un petit yaourt de Danone, divine. Il est marqué Double Cream Lemon Cheesecake Flavor Yogurt. Et là, je me dis, putain, celui-là doit pas être dégueulasse. Il se dit ça. La jacouille, écoutant que ça montait, me dit, mais vas-y, mais prends-le toi, fais-toi plaisir, on va naviguer, tout ça. Moi, j'en prendrai pas. Oh, et à la place. Et à la place, la jacouille, elle se prend. Elle se prend cette petite tartelette comme ça, ce petit yaourt avec de la fraise dessous. Le problème, c'est que la jacouille. J'en ai pris deux comme ça. Le problème de la jacouille, c'est que il y a deux jours, elle a pris la cuillère et délicatement l'a apportée à sa bouche. Et là, elle s'est dit, non, du bordel de cul de mer que c'est bon ce truc-là. Et j'ai rien dit hier. Mais aujourd'hui, je lui ai dévoilé le poteau rose et elle savait très bien. Regardez la tête qu'elle a. J'en ai pris deux fois. Voilà. Deux et elle a pris deux mon yaourt. Pas vrai ça. Hein, je me suis bien fait niquer sur ce coup-là. On va prendre un riz dans la GV. Donc je ramène le chariot au milieu. Je borde la grand voile. Sur la bosse de riz, la bleue là, les autres. Ouais. Ok. Bonjour les bananes. Le soleil se lève. Deuxième jour. Voilà. Mauvaise nuit. Putain, on a l'impression d'avoir passé des dos d'âne quoi, sur la mer. Quoi. Les dos d'âne, ils n'étaient pas ronds, ils étaient carrés. Ça a tapé, mais c'est hyper chiant. Hyper casse-couille. Quoi. Et en donnant des à-coups. Dans la voile, comme ça, boum, 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 là, ça tapait dans la mâture cette nuit, c'était une horreur. Et là, ça recommence en plus. Voilà. Allez, boum. Voilà, soyez, c'est magnifique. 5 nœuds devant. Je pense qu'on va baisser la GV et on va mettre Jenneker et Foc en ciseaux. Thank you.
Voilà en ciseaux. Voilà. Au moins ça tapera plus dans le mât quoi. Oh quelle mienne cette nuit alors. Hein. Je crois que mon leur Colgate s'est pris des coups de bec hier. Est-ce que c'est coups de bec ou requin? Non c'est bien rond, ça va être des coups de bec. Les oiseaux nous ont quittés. Nous sommes seuls avec des cargos. Il y a un cargo là-bas. Au fond là. Rien de tel qu'un bon petit déjeuner pour se réconforter après cette nuit agitée. Pourtant, il n'y avait pas vraiment beaucoup de vent. Hein. Il y a 12 nœuds de vent. C'était même pas la houle, c'est je dis, des dodanes. Ils ont foutu des dodanes sur l'océan. Mais putain, mais où on va là? Où on va? Moi, je vous le dis, où on va? Il y a deux jours, quand on a allumé le moteur, là, que les fonds remontaient, vous vous souvenez là? Je trouvais que le moteur tribord, il... Ça faisait plein de mousse. Ouais, ça faisait plein de mousse et il y avait un bruit sourd. On se demande s'il n'y a pas du calme dans la hélice. Là, je vais pas plonger. Alors, grâce à ma perche GoPro, je vais aller observer au niveau de l'hélice, savoir s'il n'y a rien dedans, quoi. GoPro 6. Voir les médias. Hop. Ok. Allez là. Voilà, je suis en train de télécharger ce que je viens de filmer. Et on va regarder ensemble le banane. Et en direct au live. On va aller voir. Non, il n'y a rien. Ce n'est pas clair. Oh. Ah oui, on aurait dit le bruit d'une baleine. Alors, je serais curieux de rallumer comme c'est calme et voir si tout va bien. Pas quand ça tourne. Non, non. Ouais. Il n'y a rien du tout. L'hélice est là. Pourquoi ça fait ça l'autre jour? Avec Ajaccio, on n'a plus l'habitude d'entendre ce moteur, on a l'impression qu'il fait comme un bruit sourd. Un bruit sourd. En tout cas, ça pourrait provenir des bananes. Mais tout a l'air de bien fonctionner. Après, il y a une couleur de l'eau qui sort et qui paraît un peu bleue. Non, mais ça n'a rien à voir, ça, mon cœur. Non, c'est l'aspiration. Aspirateur Ajaccio, la couleur est bleue. C'est intéressant, c'est intéressant. Il y a ça, il y a un chou qui a chié dans la canalisation. Ah, c'est ça, c'est pour ça que t'as dit. Choupi a fait une bêtise. Choupi pas gentil. Hier, Choupi, il allume des salles pour le faire marcher un tout petit peu. Et je me suis dit, le rejet était directement dans une bouteille d'eau. Et il faut le faire marcher, un des salles, il faut le faire marcher le plus souvent possible pour éviter l'encrassement. Hein, si on le rase pas. Et là, c'est quelque chose que je n'ai pas fait marcher, je me suis fait marcher. Et j'ai dit, surtout Choupi, n'oublie pas de l'éteindre. N'oublie pas de l'éteindre, Choupi. Et en fait, une heure après, d'un seul coup, je me dis, oh, oh, j'ai oublié d'éteindre. Et c'est une petite bouteille de 4 litres. Et bah, pendant une heure, il y a 30 litres qui se sont déversés dans la bouteille. De Choupi. Et tu sais pourquoi? Eh, c'est vrai, t'as raison. Ah oui, c'est vrai, la raison, la jacouille. Vous savez pourquoi? Parce que hier, j'ai fait un film. Et dans le film, Magali, jacouille, elle dit le mot, la bête aux grandes oreilles. Et vous savez, c'est un truc qu'on ne dit pas sur un bateau. Et dans la vidéo, elle le dit. Et du coup, ça m'a fait rire. Et sans faire exprès, je l'ai répété. Et à chaque fois qu'on dit ce mot-là, on a une fuite d'eau. Voilà, c'est pas très grave. Mais une fois de plus, t'as raison. Donc, notre superstition perdure avec cet animal. Donc, c'est un petit moyen pour vous rappeler que. Un aspirateur à bidon. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est très pratique. En plus, il faut prendre tout plastique, hein, parce qu'on avait pris inox, mais l'inox, c'est pas du bon inox, il rouille. Hein. Ouais, l'inox, il rouille et ça fait des trous dans la cuve au bout d'un moment avec l'eau de mer. Ouais. Bah là, c'est l'eau douce. Mais si vous devez prendre un aspirateur pour le bateau à cuve, prenez bien le plastique. Non, mais la jacouille, elle vient de faire sauter le disjoncteur. J'avais pas encore allumé là. Bah, j'y retourne. Pas vrai, jacouille. Hello.
bains. Carrément, hein. Bravo Choupi. Hein. Allez, mon citronnier a l'air de se plaire ici, là, tranquille. Il est bien. Il fait sa vie, tranquillement. On l'a mis dans la douche. 135 000, on a fait 135 000 c'est, en 24 heures. C'est con parce qu'hier on avait fait presque 80 000 en 12 heures. On a vachement perdu cette nuit. Cache-moi ce décolleté que je ne saurais voir. Coquine, va. Ouais, il y en a qui m'ont demandé pour le journal de bord. En fait, on n'en a pas à bord. On a juste mon cahier. Et donc sur mon cahier, enfin c'est un vieux cahier, mais je mets tous les points. Et en fait, je remets tout sur l'ordinateur. Donc en fait, mon récit fait partie du livre de bord finalement. Donc on n'a pas de livre de bord bien où tout est noté, où on marque toutes les modifications qu'on fait sur le bateau, tout ça, on l'a pas. Non, on n'a pas. Non, on n'a pas. C'est d'un autre ancien temps, donc c'est sur l'ordinateur, mais normalement c'est obligatoire. Hein. Obligatoire. C'est obligatoire. Voilà. C'est tout, c'est la couille ? Oui, c'est tout. Coquine, toi. Allumé, et vous savez que j'ai pas trop confiance au moteur. Mais il faut que je m'y fasse. Il n'y a vraiment pas de vent ce matin, il y a deux nœuds. Il y a deux nœuds de vent, c'était pas annoncé. Je pense que ça va se lever dans l'après-midi. Hein. Alors là, c'est la journée d'époilage Choupi. Ta belle la vie. Se raser avec la vue sur la mer, sur le bateau. Oh la tête. Comment couper des cheveux en mer quand ça bouge? Alors vous prenez les cheveux comme ça, et là comme ça, là, et attention, hop, attention, attention, ça peut faire des trous. On dit arrête de bouger, c'est vraiment qui bouge, c'est Blacky qui bouge. Les trous de nez maintenant. Non, pas les trous de nez. Les trous de nez. Non, le trou de cul. On est en train de chercher le pavillon de Namibie, par contre on ne l'a pas. Parce que les pavillons de Courtoisie, c'est un peu quand même un petit budget, mine de rien, en voyage. Hein, ça, on avait acheté à AliExpress. Un euro, on peut acheter des flags en bandeau, vous savez, là, pour le 14 juillet, pour la fête mondiale ou un truc comme ça. Et on a payé 1 euro, mais par contre, on n'a pas un Namibie. Mais au début, on les a tous trouvés, hein, jusqu'à maintenant. Ouais, on les avait tous. Mais Namibie, on n'a pas. Et du coup, ma jacouille, elle est en train de faire le pavillon de Namibie. Ouais, j'ai jacouille, elle joue la dinette. Et il est beau son pavillon. Hein. Et vous savez quoi? Elle avait la feignantise de faire le petit triangle jaune. C'est pas facile. Hein. Et bah après, faut pas le regarder de près. Bah, c'est ce qu'on va faire, on va le regarder de loin. Hein. C'est ça. Je crois comprendre pourquoi on n'a pas de vent ce matin. Et allez, le temps magnifique qu'il fait. Donc le vent est tombé. Il y a quelque chose qui aspire derrière nous. Voilà, dans le fond. Vous voyez? Il y a un beau front qui est juste derrière nous là. Et je pense qu'une fois qu'il sera passé, le vent reviendra. Regardez sur la météo, il est là. C'était annoncé, hein. C'était annoncé. Il est juste derrière nous. La pétale ? Et non, non, le front, il devrait disparaître a priori. Il devrait disparaître vers 13h. Là, t'as pas vu dehors ? Tu regarderas. Waouh ! Voilà, jacouille. On va manger dehors ? Allez. Hey. 6 heures de moteur. Je sens que le vent va se lever. Il est 14h. Le front à l'arrière est passé, ce que je disais tout à l'heure. Il est en train de s'effacer. Et je pense que le vent va reprendre petit à petit. Il y avait 3 nœuds, 2-3 nœuds de vent. Et là, il y a déjà 6 nœuds 5. Bingo, l'auto. D'espèces de, comme des invertébrés, quoi. Du calamar ou je sais pas quoi, mort à la surface. C'est très difficile à filmer. Au début, je croyais que c'était les déchets, mais en fait, il y a plein de ces animaux morts à la surface. Allez, plein portant. On a mis notre Blacky, voilà en ciseaux. Mais il veut prendre en image du haut les deux voiles. Ça va être très beau, mon cœur. Le coucher de soleil. Mais ouais, parce qu'il faut, en trouver des plans différents tous les jours. Hein. Ça va aller. Et ça, c'est l'idée à la jacouille. Hein.
ça va coulisser comme ça. Ça, c'est pour la faire redescendre et en haut, c'est pour la faire remonter. Bop, 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 bop. Et tu vas le faire avec la drisse de GV. Petite banane d'amour, petit chéri. Bilan de la journée, vous savez l'heure qu'il est. Hein. Oh, il fallait me donner un coup dans mon rhum. On voit pas. Mais le rhum, c'est le plus important. Oh là là. Voilà en ciseaux, le vent s'est levé. Normalement, on devrait toucher le vent, là, ça devrait plus s'arrêter jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'était tranquille. C'était tranquille, on a fait quand même plus de 6 heures de moteur. Mais voilà, ils fonctionnent bien et je trouve qu'ils font un bruit sourd quand même un petit peu. Alors je sais pas si parce qu'on a plus l'habitude de mettre des moteurs, je sais pas, c'est très bizarre. C'est peut-être psychologique. Si c'est psychologique, tapez 1. Si c'est normal, tapez 2. Si c'est pas normal, tapez 3. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Donc évidemment, je vais réduire. Je pense que le vent va monter, donc je vais peut-être préférer le Jennaker. Mettre la GV. J'espère qu'on va pas avoir une nuit de merde comme on a eu là. Là où... C'était moyen. Mais toi, t'as bien dormi quand même. Ouais, mais je me suis réveillée quand même. Ouais. Pour aller faire pipi. Et donc bah, la mer est assez rangée là pour l'instant. Elle est calme, elle est verte. Elle moutonne donc je pense qu'il y a du courant. Il n'y a pas une belle couleur. Non, mon loch est coincé en fait depuis le carénage. Et c'est une connerie. Quoi. J'étais hors de l'eau et comme j'ai mis de l'antifreeze, je me suis dit ah, il va falloir que je fasse rouler un peu la roulette avant de remettre à l'eau. Je l'ai pas fait. Évidemment, derrière l'antifreeze qui bloque un tout petit peu. Et ouais. Donc j'enverrai Jacques couille à l'Udéritz avec les requins, tout ça. À l'Otari. Ok. Bon ben, bon apéro, à demain les bananes. On espère qu'on va passer une bonne nuit. Hein. Bisous. Hein, bisous. Ciao. Le riz pour la nuit. Et on est en voile en ciseaux avec le phoque complet. Voilà, le vent s'est mis à se lever, il doit y avoir 20 nœuds de vent portant. Et par sécurité, voilà, nous avons réduit les voiles et on avance super bien. Alors on va dépasser pour la deuxième fois le bateau qu'on a dépassé hier. Alors qu'est-ce qui se passe? À mon avis, ils ont un moteur qui est beaucoup plus puissant que Blackie. Quoi. Nous on a mis qu'un moteur sur deux. Et je pense qu'ils avancent super bien au moteur. Ils ont redépassé dans la nuit. Nous, on n'a pas eu de moteur cette nuit, on l'a mis ce matin à 6h. Et voilà, on est en train de les rattraper une deuxième fois. Contre-jour. Mais t'es un gros bâtard. C'était une rencontre au jour finalement. T'es vilain, méchant. Un petit peu de courant, la mer est pyramidale mais en surface donc ça va. Nous avons tenu toute la nuit les voiles en ciseaux. On n'a pas empanné, pas un seul empannage sauvage avec le riz et le phoque. Donc on arrive demain matin. Il nous reste à peu près 150 000 à faire. Oh mais là, je suis fatigué. Il fait également assez froid. Ce
matin, je me suis couvert, j'ai vu la salopette de Super Mario. Mon pull à moumoute et mes oreilles réchauffantes. Alors la jacouille, plus en flagrant délit de dormir, hein? Oui. Petite marmotte. Notre lit de quart pour la nuit. L'iPad pour la carte et le mini iPad pour le relais avec le traceur qui est dehors. Allez, pour se mettre en forme ce matin, on va reprendre un riz dans la gelée. Détends. Alors que le vent était de tendance sud-sud-ouest jusqu'à maintenant, il est passé sud-sud-est avec les premiers rayons du soleil. Ce qui va nous obliger à sûrement faire un empannage pour prendre un cap sur le direct. Ouais. C'est chouette le foc auto-vireur. Il reste encore à 1h15. Allez, on va peut-être faire les 140 000. C'est mieux. Il m'annonce 10-0 dans ma passage. Et s'il m'annonce 10-0 et qu'il les fait pas, et ben il prend 2 points de plus. J'accepte ce défi. 1-1, j'avoue. Non, pas encore. 5-4-0. Non, 6-0. Oh, 6-0. Je double. Si je fais pas de double, j'ai perdu mon baril. Faut chasser un double, absolument. J'ai gagné le baril. Ok, je te donne 2 points, ça fait 6-6. Mais à part tout ce jour en 10, t'as pas encore gagné, ma vieille. Arrêtez. Je vais pas jouer, je joue plus. On dirait qu'il va être gamin. Je joue plus! Les gamins! Eh oh! Super! C'est drôle parce qu'il y a deux banana followers. Ils ont acheté un bac gamin à cause de nous. Et du coup, l'autre jour, la banane femelle. La banane femelle nous envoie un message disant: est-ce que c'est normal qu'on soit au point de la rupture en jouant bac gamin? Car son mari y perd. Alors je viens de zoomer sur la carte, il y a quelque chose d'assez intéressant, il y a un petit sens interdit dans toute cette zone avant d'arriver à l'Udyrix, à quoi, à 15-20 000 des côtes. Alors quand on clique dessus, voilà ce que c'est, zone de restriction, entrée interdite, champ de mine. Champ de mine, c'est pas des mines de crayon. Hein. Voilà, madame fait la vaisselle à l'eau chaude. Donc voilà, après le soir, on fait: tu peux allumer le moteur, j'ai pas d'eau chaude pour la douche. Évidemment, vrai, pour ces petites assiettes. En plus, je te donne hein même. Non, c'est pas parce que t'as gagné au Vagamond que tu dois tout permis maintenant. Hein. Arrête maintenant, Jupi, tu m'énerves. Putain, moi, tu m'énerves avant toi. Et il nous reste 138 000 à faire. Alors, nous arrivons sur l'Udyrix. Be careful to l'Udyrix. Why? L'Udyrix, c'est connu, je crois que vous l'avez déjà dit dans une ancienne vidéo. C'est un endroit où vont les vieux penchistes, les kite surfeurs, pour battre les records de vitesse de kite et de planche à voile. Il y a un petit goulet ici où le vent s'incruste et ça peut monter jusqu'à 50 nœuds de vent. C'est moutonné, mais ça va, c'est très confortable hein, dans le bateau. C'est un albatros. Ma jacouille une fois m'a dit, si on devait
se réincarner, on se réincarnerait en albatros. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Puisqu'ils vivent toute leur vie ensemble. Ouais, ça vit 50 ans et pendant 50 ans, ça reste fidèle. Fromage, belle des champs, avec Jacques ou Yoff et Brouille, on mange pas des nouilles, que des nouilles. Bah, vous savez, j'aime bien inventer les bananas, donc on invente aujourd'hui. Et comme il me restait du riz à sushi, et comme j'avais pas envie de refaire des sushis aujourd'hui, bah, on va faire de l'inventation. C'est marrant, j'ai déjà vécu ce moment-là. Alors, voilà ce que j'ai pris pour ma petite invention. Alors. Donc, de la saucisse. Un petit bout comme ça, oignon, aubergine, champignons, oignon vert, ail, gingembre, riz, curry, sel, poivre. Je pense que je vais rajouter une tomate aussi. Une tomate. Allez, c'est parti. Ben, on va tout faire revenir. Hop. Elle est pas un peu bombée ta poêle là? Non, mais je sais pas pourquoi. C'est celle que je t'ai achetée, ça. Oui, mais elle a jamais tenu droite en fait. Elle est bombée du cucu. Ouais, ça me rappelle quelqu'un. Bouffon, bah. Bâtard, bah. Bouffon, bah. Bon. Donc je mets tout à revenir. Les oignons, les champignons, les aubergines. J'adore cette odeur. L'ail et le gingembre. Encore quelques années, ils vont inventer l'odeur sur les caméras. Vous verrez, quand vous verrez le film, vous aurez l'odeur de ce qu'il y a. Allez, et je viens d'inventer un truc. Dépose le brevet, Prems. C'est juste 1 million d'euros. Je vais revenir, je t'appelle quand c'est revenu. J'ai jamais pu ce moment-là aussi. Oui. Donc en cours de réflexion, je me suis dit je vais rajouter des tomates. Et je vais mettre aussi du lait de coco. Mais filme. Pardon. Je mets les saucisses, le. Ah là, c'est pas les saucisses ça, ça c'est les oignons verts. T'as du mal à tenir, ça bouge un petit peu on dirait. Hein, ça bouge un petit peu, hein. Tu me parais un peu crisper les jambes. On va rajouter les épices. Donc, le sel, le poivre. Ça sent bon. Hein. Bah, je sais pas, on verra bien ce que ça va donner. Tu diras aux bananas si t'as aimé. Oh putain, ça y est, ça c'est un classique. Le curry. Faut que tu fasses mijoter combien de temps? Bah, je sais pas, on va voir, hein, 10 minutes, un petit quart d'heure. Ok. Hein. On va rajouter le riz. Alors c'est du riz un peu collant puisque c'était celui pour les sushis, mais c'est pas grave. Hein. Pas de gaspillage. D'ailleurs, il est pas donné. Hein. Il est carrément plus cher que le riz normal. Ouais, celui-là, on l'a payé assez cher. Hein. Mais ça a bien donné sur les sushis hier, du coup. Mais pour toi, rien n'est trop beau, ma puce. Pour toi non plus, parce que tu le manges aussi. Hein. Non, mais c'est pour toi, pour ta cuisine. Ah, tu es du riz à sushis, ben moi, je n'hésite pas. Quoi. Tu m'achètes du riz. Je dépense. Voilà. Allez, on va laisser mijoter 10 minutes. Ensuite, on rajoutera au dernier moment le lait de coco. Okay. Ok. Tu crois que ça va être bon avec le lait de coco? Oui, j'ai envie de mettre du lait de coco. On va mettre du lait de coco. Tu as un problème là-dessus? Je te mets pas de l'ananas, je te mets du lait de coco. La couleur, ça sent bon, j'en ai l'eau à la bouche. On va rajouter le lait de coco. T'es sûr qu'on met du lait de coco? Oh, tu me... Hein, c'est comme ça, et on mélange. Et on va laisser de nouveau 5 minutes seulement. Et puis après, on va pouvoir manger mon choupi. Parce que j'ai faim, moi. Il est 11h15 et j'ai super faim. Moi aussi, j'ai faim. J'en ai l'eau à la bouche. Mmh. Ouais, moi aussi, ça salive là. Ouais, moi aussi. Ah. Toi aussi? Ouais, ça fait c'est bizarre, pareil. Ça. Hein. Ouais. Oh, c'est joli. J'ai essayé d'agrémenter la décoration parce que... Ouais, je trouve ça très moche. C'est la présentation. Hé, hey, je me tourne la vie. Je filme mon chat. Je prends la caméra, je me tourne la tête. Et franchement, avouez, c'est moche. Ah, mais oui, mais écoute, ça fait un boulgui boulga et du coup, c'est pas un joli boogie à boulga. Présenter. Alors, c'est sûr que c'est pas évident à présenter. C'est vrai, ça va? Ça manque pas de goût? Non.
C'est moche, mais c'est bon. Donc comment on va appeler ça? Le boulgiboulga jacouille. La mocheté appétissante. On vient d'avoir une discussion très sérieuse avec ma jacouille. Question. Elle avait son gros doigt dans son grosse narine. Elle me disait, bah dis donc, j'ai des crottes de nez. Enfin, je vous avoue que moi aussi, hier, je me suis dit, comment se fait-il que j'ai des crottes de nez en pleine mer? Et ma jacouille a des crottes de nez aussi. Oui, alors on se pose la question, pourquoi avons-nous des crottes de nez en pleine mer? Nous sommes parce que nous sommes près du désert, le sable il s'envole comme ça, et puis désert. Et quand le sable il s'envole, et bien, les petits grains de sable ils vont se mettre dans nos narines, ce qui obstrue notre respiration. Et nous, grâce à cet outil naturel, nous venons délicatement curer. Et vous savez ce qui fait que Chucky il est vraiment dégueulasse. Il frotte ses crottes de nez comme ça, il fait des petites boules comme ça. Sur le tapis là-bas, non. Ça passe par les trous. Voilà, ouais, je sais que ça tombe sous le tapis et après comme on nettoie, et ben voilà. Il est dégueulasse, il jette ses crottes. Tous les jours, on a notre petit péché mignon. Deux petits carrés de chocolat avec le café. Mais attention, Ivan, que deux, parce qu'on s'est mis au régime. Bah, parce qu'avant, on en prenait quatre, mais des fois, on débordait sur 8, sur 12. Et on finissait la plaquette. Voilà, alors vous comprenez pourquoi des otaries en Afrique du Sud, comme il fait froid. Le cerveau réagit comme ça, vous voyez. Je vais vous expliquer comment ça marche. Vas-y, explique. On mange de la graisse, on mange de la graisse, on mange du sucre, on mange du sucre. Et puis, ben, on gonfle, on gonfle, on gonfle. Mais là, les beaux jours vont arriver, vous allez voir, on va maigrir. Allez voir. Sans faire vraiment de régime, on fait un peu plus attention. Voilà, taille de guêpe. Maya l'abeille, vous allez m'appeler après. Maya. On vous avait parlé une fois qu'on avait un sens qui était carrément plus développé que les autres, c'est l'odorat. Du fait d'être en mer et tout, et dès qu'on sent la moindre odeur, on est vachement réceptif à ça. Et là, je ne vous dis pas comment ça sent la vanille. Et on vient de croiser un cargo. Le vent est portant, le cargo est derrière. Et ben, je pense qu'il transporte de la vanille. J'en suis quasiment sûr. Donc nous sommes en pleine mer et ça sent la vanille. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Nous sommes dans un beau petit bouillon de courant là. Regardez les déchets végétaux. Alors c'est pas du plastique. Hein. Il y en a un peu partout dans l'eau. De se laisser emprisonner dans ce courant. Et en fait, j'étais à l'intérieur, je le sentais parce que ça faisait comme si quelqu'un tapait dans la coque. J'étais clac, 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 comme ça. Et en fait, bah, comme il y a un petit bouillon, bah, voilà, ça bouillonne sur Black Lion. Il est en train de se faire bouillir les coques. On va prendre l'air un tout petit peu avec la jacouille hein, parce qu'on est dedans, on vous fait les films, à l'écrit, tout ça, mais on prend pas trop l'air. Hein. On sent un peu le refermé. En plus, le temps que j'étais dehors, j'ai pas pris ma caméra et j'ai vu une méduse rouge, mais énorme. J'avoue, les bananes, c'est que il y a une chose qui est pas bien, ce qu'on fait avec Jacouille, surtout Jacouille, hein, parce que c'est pire que moi. Je trouve qu'on s'habitue un peu trop à mon goût. À dormir la nuit. En navigation. On fait beaucoup trop confiance. Non, mais on met quand même en le. L'AIS. Attends, il y a notarié devant. On met quand même le téléphone. Ouais, voilà. Heures, hein. Ouais, il y a l'AIS, il y a le radar, il y a le téléphone. Oui, il y a l'alarme quand même. Heures, on éteint le téléphone. On va même pas voir. T'as remarqué, c'est ce que je me suis dit aujourd'hui. Il y a le téléphone qui se met à sonner. Puis là, oui. Et en fait, on ne sait même pas pour aller voir. On se lève pas, mais je regarde les écrans. Non, il va falloir reprendre des bonnes habitudes. Ouais, c'est pas bien. Allez, peut-être ce soir, tu vas faire un bon quart. Exercice surprise, ma jacouille. Oui. Alors là, attention, t'as la pression qui monte. Ouais. Il y a le Jennaker qui ne tient plus. Parce que nous sommes moins que 3 quarts arrière, il a du mal à tenir. Ouais. Comment on va faire pour mettre les voiles? Dans quel sens on va mettre les voiles? Dans quelle position on va mettre les voiles? En sachant qu'on va vers la terre, on va pas vers l'Udiritz. Il faut s'écarter au plus. Alors moi je remballerai le Jennaker. Oui. Et je le mettrai dans l'autre sens. Avec la GB aussi. Non. C'est presque ça. Pourquoi? On va mettre les voiles en ciseaux. On va mettre le Jennaker de l'autre côté, tout simplement. Ah. J'étais pas loin. T'étais pas loin, mais c'était pas ça. Paix à son âme. On a retrouvé Bibendum. Et joué sur le pont de Blacky. Alors, tu t'es écrasé ici? Ouais, je suis écrasé là. Oh là là, on dirait une. Je vais pas dire le mot, mais. Hein? Je sais pas, un foie, je sais pas à quoi ça pourrait ressembler. Mais... Ouais. Et Banane, dernière soirée en compagnie jusqu'à Udiritz.
Aujourd'hui tranquille, il y a pas mal de courant quand même, mais ça va quoi. On a eu beaucoup, on a eu pire que ça. Ouais. Là on a deux riz et l'angélicœur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire, on va mettre le four et deux riz dans la GV pour la nuit, parce que le vent va augmenter, on va être à l'approche de la pointe de l'Udiritz. Et là, be careful. Moi, je vous le dis, be careful. Donc, je bois mon petit rhum tranquille. Et dernière manœuvre en votre compagnie, je pense, pour cette nuit. On ne voit rien de particulier. Hein. Aujourd'hui, on n'a rien vu de particulier. Si, j'ai vu une grosse méduse rouge. Ah oui, mais tu l'as pas vu. Je viens de voir un bateau là-bas. Voilà, un cargo. Ouais. Un cargo. Ah. Et si, j'ai vu un bateau de pêche aussi sur l'AIS. Il n'y a pas de dauphin, je ne comprends pas. Les copains, de temps. Les copains suisses, ils ont dit qu'ils ont eu que ça en pagaille, on n'a pas vu un seul. Juste bizarre, en arrivant à l'Udiritz. Ouais, ben en pagaille et juste en arrivant à l'Udiritz, ça fait une différence. Hein. Bon, on va passer une bonne nuit. On va être vigilant cette nuit cette fois. Hein. Oui. Oui. Bonne nuit les bananes. Mais non, tu as dit que tu faisais un manœuvre avec elle. Ah ouais, bah tout à l'heure les bananes. En général, c'est toujours l'inverse. Je sais pas. C'est quoi la route qui m'a fait là, Navionix? Il me mettait tout à l'heure 84 000 et en fait je regardais, il me faisait un détour comme ça, tout comme ça. Et en fait je me suis dit, oh, il me fait un petit détour parce que là c'est champ de mine. Et en fait on gagne 30 000. Ça veut dire qu'on arrive dans 56 000 et 17h46. Et donc il va falloir vachement réduire, on va mettre que le phoque. On va mettre que le phoque parce que ça nous fait arriver bientôt, même très très bientôt. Oh là là, c'est la traversée à conneries là, entre le volcan où je passe dessus il nous reste 4 mètres sous la quille et puis là je rajoute 30 000, on est arrivé ce soir. J'avais juste, j'ai réduit depuis le début, on y allait tranquille, je boostais un peu Blacky, on est arrivé ce soir, on était peinard. Et là du coup, maintenant il faut que je réduise quoi. Non, mais il faut que je réduise. C'est à cause de ce champ de mine, c'est la première fois que ça m'arrive. La route automatique m'a clairement fait le détour, mais je me suis dit, bon, il n'y a pas grand chose. Sauf qu'il y a 34 000 quoi. Donc dans 10h20, 47 000 dans 10h20. Nous sommes réduits avec un petit string de phoque, et encore on va trop vite. Mais quelle connerie alors, sans déconner. Je me comprends pas là. Entre le truc bleu, jamais j'y passe. J'y vais. Ah, putain, c'est Alzheimer qui me guette, c'est pas possible. Hein. Ah putain. Ah c'est sûr, on est arrivé ce soir, on va faire une nuit et je suis obligé de ralentir à fond et ça va souffler encore plus le vent là. Je sais pas ce qui m'arrive. En plus, il a perdu deux fois Bagamon aujourd'hui. Il y a un truc qui va pas. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un truc qui est pas normal, ma jacouille, je te le dis. C'est le monde à l'envers. Elle ne va plus. Mais c'est pas grave. Une nuit avec moi de l'air. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi? Je vous le demande. Voilà avec quoi on termine la traversée. Tout ça parce que Jacouille, elle a mal fait sa route. Et encore, je pense qu'on va aller trop vite. Putain. Il est 2h du matin. Non, il n'est pas 2h du matin. Il est minuit. Ça souffle 20-25 nœuds de vent. Et on est réduit au maximum et on va beaucoup trop vite. On fait des pointes à 6-7 nœuds. On est plein portant et ça nous fait arriver un petit peu de nuit. Banane, c'est glacial. Ouais, on est à 1h30, 2h de... Oh là là, il fait super froid. D'arriver là. Oh, on est en train de se couvrir pour l'arrivée. Ça caille, on a mis les chaussures. Je crois que c'est la première fois là qu'il fait si froid. Les chaussures. On a les gants aussi, non? Ouais, je vais aller les chercher. La salopette, le pull. Putain, on est obligé de mettre les gants. On peut mettre les gants, ouais.
Il a plus tellement d'être un bâton dans le cul, on ressemblera à des esquimaux, moi je vous le dis. Il fait super froid. C'est ça. Encore heureusement qu'on a notre cabane. Oh là là. Parce qu'on est un peu au chaud quand même. Donc on va voir comment ça va se passer. Hein. Pour l'instant, il y a 20-22 nœuds de vent. Et normalement, le vent va vachement augmenter. On est à combien de l'arrivée? On est à 5-6 minutes de l'arrivée. Quand on va rentrer dans le goulet, ça va sûrement monter à 30-35 nœuds. Donc, accrochez vos ceintures, les bananes. Il va y avoir des turbulences. Vous ne voyez pas? Vous le voyez? Vous ne voyez pas? Vous ne voyez? On vient de ranger le foc. Le vent commence à monter. 23 nœuds de travers, on a mis donc les deux moteurs là, il nous reste 4,6 000 et ma jacouille elle va appeler Lideris Port Control. Et non. Lideris Harbour. Lideris Harbour. Et les bananes, j'ai un problème avec ma. Attends, je la remonte. Eh mais oh, on arrive à. Dépêche-toi alors. Ouais, non mais c'est pas grave, je pas grave. Voilà, Lideris Port Control, Lideris Port Control, Lideris Port Control. Nous faire comprendre parce que encore je comprenais pas. Allez, t'arrives à Lideris. Nous sommes à Lideris et là ça se